Ouais, et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance de ces imbécilités d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Et on est venu pour pratiquer l'islam au nom d'Allah. On a plus de 120 détenus, moi je m'occupais des détenus de Gamou et de Oudmeidou. Est-ce que vous voyez ? Tous ils ont juré, ils ont dit que si réellement on savait que vous combattez au nom de l'islam, on n'allait pas venir. Mais ce sont nos chefs qui nous ont trahis. Est-ce que vous voyez ? Nous ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On a reçu des membres d'Amsardine, on a beaucoup discuté avec eux et ils nous ont fait savoir qu'ils ne sont pas là pour la division du pays, mais plutôt pour l'application de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ils ont commencé à demander aux filles vraiment de s'habiller correctement, aux gens de partir à la mosquée, d'appliquer réellement ce que l'islam dit, quoi. Ils ont demandé aux chrétiens vraiment de... Bon, ils peuvent pratiquer les religions, mais tout en restant dans des églises, des bars ont été brûlés dans la ville. Vraiment, on est dans l'incertitude, on ne comprend plus rien. Thank you.